Bonsoir Jessica, tu vas bien? Bonsoir Kalish, ça va? Alors que fais-tu ce soir ici encore? Encore au Cariatide ce soir, jeudi 20 novembre, pour une nouvelle secrète session, les vibrations de l'automne. Donc pas mal de monde encore, pas mal d'invités, Swanny, Déter, Angélique Sings, Asaja, Dassou, et puis moi-même, quoi, et puis le formidable public. Yeah. Merci Jessica. Je suis aux côtés de Déter. Déter, bienvenue. Bienvenue pour toi. Alors ce soir, tu viens de faire un petit show, première sous Paris peut-être? Ouais, c'est mon premier show en fait, tout seul. J'ai l'habitude de chanter avec Colma et tant de personnes. Là, c'est une première, donc tout est casa qui baille. J'espère que ça va bien se passer. Voilà. Nous là, nous cachons le track, mais bon, pas plus. Donc espérer que ça soit un joy, et voilà, comme d'hab. Et donc après ce show, on peut attendre quoi? Des sons? Quelle actu? Normalement, là, je suis en train de préparer beaucoup de sons avec un nouveau guitariste que j'ai rencontré. Donc, normalement, il y aura des surprises pour cette année. Ben, nous attendons quand même. Il ne faut pas tout donner. On prépare un spread et après, j'espère que je vais finir ça pour le début de 2012. Et voilà, hein. Pas de projet, mais des sons. Asaja, bonsoir. Bonsoir. Tout le monde attend le live. Et ouais, je dis bon courage à tout le monde ce soir. On est là pour donner la vibe et faire le travail, quoi. En ce moment, je fais beaucoup de scènes. J'ai vu demain, tu chantes à Chapelle des Lombards. C'est bien pour toi, c'est même parti pour l'album. L'album, on y travaille, comme on dit, lentement, mais sûrement en fait. Mais on est vraiment dessus, on est à donf dessus. Bon voilà quoi, là il y a des scènes qui se mettent en place. J'ai une nouvelle équipe, donc ça commence à se goupiller un peu. On fait un planning, on prévoit pour l'après-album déjà. Et ouais, normalement ça se goupille bien. Donc, quand il y a si bon dévelé, normalement ça qui fait carré quoi. Donc pour 2012, il y aura beaucoup de choses pour toi, j'espère. Avec la grâce, ouais, j'espère. Beaucoup de choses, ouais. C'est tout ce que je me souhaite. Je suis à côté donc, de monsieur Ron Maïta, qui est venu à Secret Station. Ron Maïta, bonsoir. Bonsoir, Kali, ça va? Ça va. Ouais. Ben, écoute, ce soir-là, je suis venu à la Secret Station pour avoir des, mon pote Déter. Et puis, ça m'a fait très plaisir de le voir sur scène, de voir qu'il prend des initiatives. Et sincèrement, ça m'a vraiment plu. Donc, moi je lui envoie une big force parce que c'est mon pagna. Big up, Almighty Sing. Energy. Alors, Sonny, tu sors de scène toi aussi. T'as fait les chœurs de Déter et tu as chanté juste avant. Alors, comment s'est passé? Ça s'est super bien passé. Franchement, l'ambiance est magnifique. Le public au top. Franchement, le public est là. Il était vraiment là. Et du coup, on s'est amusé sur scène. On a fait deux petits titres tranquillement avec d'autres artistes. Surtout les artistes qui sont derrière. Il n'y a que du lot. Donc du coup, ça donne une ambiance assez chaleureuse, familiale, et ça donne la soirée Vibration d'automne 63 prod. Et du coup, ça donne vraiment bonne ambiance, quoi. Alors, te reverrons bientôt sur scène, bientôt, j'espère. Tu as des dates? Moi-même, pour l'instant, je n'ai pas de date. Je l'espère aussi que je vais revenir sur scène très rapidement. Mais du coup, bon, pour vous tenir au courant, n'hésitez pas à aller sur la page fan Swanny, SW2ANY, pour prendre les infos. Le projet se construit petit à petit, mais les infos viennent petit à petit, donc il faut se tenir au courant. Vous êtes les acteurs, donc surtout n'hésitez pas quoi, à soutenir les artistes. Bonsoir Angélique, tu es avec ta choriste qui s'appelle Kissia. Enchantée Kissia. Vous venez de passer sur scène, comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé, énormément d'émotions pour moi, parce qu'en plus c'est la première fois que j'interprétais une des compos qui me tient le plus à cœur en fait. Donc là, il me faut le temps pour redescendre, mais vraiment très contente d'avoir été invitée par le 63 Prot. Et les gens super quoi, ils ont répondu à l'appel, donc vraiment ça touche, ça fait plaisir, ça donne envie de continuer, vraiment. Voilà. Ouais, pareil, belle énergie, le public super sympa, super présent, donc ça nous aide, ça nous porte, c'est vraiment bien. Déter vient de sortir de scène. Alors Déter, ta première scène, ça se passait comment? C'était pas mal, franchement, je me sentais à l'aise. Le public était là, il répondait. Donc, quand on vend des autres, ils ont commandé d'autres. S'ils ont commandé d'autres, donc ils basent d'autres. Donc voilà, tant qu'ils ont commandé moins, qu'ils font pas de fan, s'ils ont ajouté moins, ajoutez-moi, mettez j'aime, et je vais vous fournir du son, si vous aimez du son et du live, j'espère. Voilà. Mais le public a été hyper réceptif là, à tes sons et tout, donc c'est quand même assez étonnant. Donc on t'attendait finalement. Moi-même, je m'y attendais pas, donc j'ai pas fait beaucoup de pubs pour ne pas qu'il y ait trop de monde, tu vois. Parce que j'ai le track, mais voilà, non, mais franchement, il est temps que je montre aux gens ce qui se passe En live et ce que je peux faire, donc j'espère qu'ils vont kiffer ce qui va passer après. Voilà. Maintenant, interrogeons le 63 Prod. Allez-vous le réinviter? Bien sûr, on en a d'autres. Hein. Il y a Rasadja qui est... On fait une petite pause là quand même, mais il y a Rasadja qui va venir tout de suite.
nous enjailler. Ensuite, il y aura G-Scalp, il y aura moi-même, il y aura G-Scalp. Donc, vous restez là. Et surtout, vous inquiétez pas, Secret Session, c'est pas fini. Édition numéro 2, saison 4.